Mais avant qu'on y aille, je voudrais vous montrer un truc super cool, ok? Tais-toi, Clé, ça suffit. Regardez tous ces casiers. Ils ont l'air identiques, non? Pas celui-ci. Celui-ci est très spécial. Il appartenait à une élève qui s'est suicidée. Là, je t'en prie. Vous voyez tous ces posters disant « Non, ne vous suicidez pas », accrochés au mur? Ils n'étaient pas là avant. Ils les ont mis là parce que cette élève s'est suicidée. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que les ados de ce bahut l'ont traité comme de la merde. Jensen, ferme-la. Mais personne ne veut l'admettre. Donc ils n'ont pas les chiottes, installé un mémorial. Parce que c'est tout à fait le genre de cette école. Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Ça finira par éclater. Cher Thomas, autant que je me souvienne, c'est la première lettre que j'écris. Je sais pas si j'en ai écrit d'autres avant mon arrivée dans le labyrinthe. Mais même si c'est pas la première, c'est probablement la dernière. Je veux que tu saches que j'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir, en tout cas. J'ai peur d'oublier. De me perdre à cause du virus, c'est ça ma plus grande peur. Chaque nuit, je prononce leur nom à haute voix. Je les répète encore et encore, comme une prière. Et les souvenirs resurgissent. Si je devais tout recommencer, je referais pareil, sans changer une virgule. Et ce que je te souhaite, Thomas, c'est de te retourner sur ton passé et de pouvoir dire la même chose. L'avenir est entre tes mains maintenant. Je sais que tu vas t'employer à faire le bien. Comme tu l'as toujours fait. C'est à cause de toi. Tout est ta faute. Tous les jours, quand je la voyais à l'hôpital en train de mourir lentement, je me demandais comment j'allais faire pour élever cet abruti de fils tout seul. Cette espèce de petit con hyperactif qui n'arrête pas de me gâcher la vie. Tout est ta faute. C'est à cause de toi, Stiles. Tu as tué ta mère. Tu m'entends? Tu l'as tuée. Et maintenant, c'est moi que t'es en train de tuer. Si tu mets le feu, tu n'auras plus rien. C'est chez toi ici. Et quand toute cette histoire sera finie, tu feras quoi si un jour t'as envie d'y rentrer dans le monde? Peut-être que je devrais redevenir personne.